Et bonjour tout le monde, ici Envol-moi 89 avec Goldo Guigui. Salut Goldo. Allez, là ça ne fait plus. Ouais, voilà, donc on avait quelques bugs, donc j'étais en Minecraft moudé, donc ça causait des problèmes, le screen recorder s'était arrêté. Donc je vais sûrement surveiller le screen recorder, honnêtement. Donc du coup, on est sur l'épisode 3 de The City, et toi t'avais un peu commencé l'aménagement de l'hôtel. Le Paradis Cube. Ouais, notre, enfin, du moins ton hôtel paradisiaque. Oui, c'est moi qui ai Donc, construit, c'est moi qui mais fais. c'est no un peu notre hôtel. Dans le sens où toi, tu as fait l'aménagement, donc tu as participé à la Ouais, parce que construction. moi, je suis en train de faire Mais c'est moi qui ai l'aménagement fait le plus intérieur des gros. chambres. Ouais, alors pour. Alors c'est toi qui as fait le plus gros, mais. Enfin, c'est moi qui ai fait le plus gros, mais l'aménagement, c'est long. Je fais surtout la Voilà. décoration, moi, figure-toi. Donc Je fais là. chambre par chambre, donc Merci de ce des fois, détail. si tu veux, Ça, parce que tu vois, c'est un truc qui me fait chier un on peu, peut te honnêtement, je peux te dire. montrer au viewer ce que je fais. Voilà, donc. Bon, là, je suis sorti de l'hôtel et Et je montre donc, un peu les alentours. comme une réponse, tu sais, sur la petite idée, tu sais, de montrer ce que je fais lorsque je t'envoie des screenshots par Bluetooth. J'ai pas trop vu de réponse, mais je pense que ça peut être quelque chose de positif qui devrait plaire généralement aux viewers. Donc, Non, mais comme ça, tu vois. j'ai pas vu, je pense pas que j'ai vu de réponse perso. Je suis même plus sûr si je crois que je l'ai demandé, oui, quand même. Non, mais comme ça, je te demande parce que moi, je suis au courant de rien, moi, sur cette affaire, du coup, depuis que j'en ai parlé. Alors, Donc, voilà, je montre à peu près ce qui a été fait, hein. Ah, t'es Tant que tu restes dans l'hôtel, ça devrait bien se passer. Non, mais dans je veux juste du mal à sortir de la chambre suivante. Ça arrive d'avoir du mal à sortir. Bon, alors voilà, je passe donc à la troisième chambre maintenant, chers amis. Donc l'épisode 2, c'était un tuto construction. Donc là, on montre à peu près ce qui a été fait. Et je vais quand même vous faire un petit tuto Alors, tu sais, intégré. si je parle comme ça, j'ai juste d'abord chien. Hein? Bah, tu peux poser. C'est juste, voilà, j'ai juste la gorgesse, Ouais, c'est du oui, tout, comme tu rien t'es de plus, défoncé lors du hein. montage. C'est pour ça, des fois, que je bois la nuit en prenant une petite bouteille d'eau, depuis un an, Oh là dû là. à des problèmes de santé, des fois, Donc maintenant, surtout l'année dernière. je vais faire quelque chose. Alors Goldo, donc je te suis. C'est pour te proposer quelque chose, je vais montrer la tuto du construction du petit taxi que j'ai vu là. Ah, ça me va! Certains l'ont déjà aperçu sur Google Plus. Donc je vais proposer ça, c'est très court, donc normalement c'est pas le sujet de la vidéo, mais je me suis dit ben comme c'est un truc court à faire, voilà. Ici Alors, trop. pourquoi ce tuto de taxi est intéressant? Parce que ça fait un petit taxi sympa. Et aussi parce qu'il peut être fait sur toutes les éditions de Minecraft, puisqu'on a l'édition la moins complète, connue sous le nom de Pocket Edition. Voilà. Donc pour ça, il vous faut un bloc de laine jaune. Enfin, les taxis sont pas forcément jaunes. Vous pouvez prendre une autre couleur, mais là c'est le taxi typique américain, je crois. Et Tapis jaune. ceux de Londres, ils sont pas rouges normalement. Ah non, ça c'est les bus tours qui sont rouges. Les vieux taxis londoniens, ils sont tout noirs. J'ai plus C'est comprendre. une forme de voiture particulière, tout noir, les taxis londoniens. Ah, mais j'ai plus Après comprendre. peut-être qu'ils sont rouges, hein, les modernes, j'en sais rien. Enfin, je parle des vieux. Donc il vous faut. Non, moi je parle de ceux Ouais. d'aujourd'hui. Laine jaune, tapis jaune, vitre. Non, mais ça n'a pas changé, il me semble, c'est toujours les taxis noirs là. Et puis, bloc de charbon. Alors, déjà, je veux. Alors, est-ce que certains connaissent la chaîne de LocorBlock? C'est un Minecraftien français qui est beaucoup de la construction. En fait, ce taxi, c'est le taxi qu'il a fait. Mais à une différence près que lui, il a fait plus complexe. Et son tuto uniquement applicable sur PC. Donc, moi, c'est une version. Plus allégé, adaptable sur toutes les éditions de Minecraft. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire sur PC qu'on ne peut pas faire sur PE. Et puis aussi mon taxi est légèrement différent. Donc du coup, alors, le taxi, si je me trompe pas, oui, c'est du 3 par 7. Voilà, peut-être. Vous faites du 3 par 7, comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux parler en même temps, Goldo, tu peux dire des Oui, trucs, hein. Pas donc de je problème, voulais juste passer un petit coucou à un fan club sur God Nation. hein. Attends, ensuite, vous faites comme ceci, comme ceci. Dans l'un d'entre eux, un ami youtubeur qui est du même département que lui. Alors, vous Donc, mettez chaque bloc de charbon à un de l'extrémité. si jamais je disais, c'est un pur hasard, il venait à tomber sur cette vidéo.
Voilà, comme tu dis. Ce serait du pur hasard. Bah donc voilà, il y a donc Real bon, je sais plus, niveau prononciation, c'est un peu... Ensuite, vous faites comme ceci. C'est pas facile, mais je vais l'appeler Real, voilà. Ensuite, là, vous mettez... Niaxili, un peu comme ça. Le tapis jaune autour, comme ceci. Et vous, et pourquoi ici c'est surélevé ? Bah, tout simplement pour pouvoir mettre le tapis comme ça. Pour fermer ensuite le taxi. Alors ensuite, pour cacher le haut des roues, bah, on fait tout simplement comme ceci. Voilà. Donc c'est alors, très rapide. Ça dépend. Oui. Ça dépend de comment lui prononce. Pour pas que ça prenne trop de temps non plus le, les présentations c'est parce que je suis en, c'était en plein tuto donc. Mon ami est youtubeur. Voilà, je sais plus mais il est du 54. Et là on a 31 le fondateur. Donc voilà, je le présente plus beaucoup. Donc membre de la MNR Motors. Voilà. Et donc moi je vais fonder mon propre... On va fonder d'ailleurs notre propre fan club de Modnation. On ne sait pas encore comment, mais ça a rapport avec le championnat du monde de rallycross. Bien sûr, à but de profit. Non, juste parce que toi t'es fan de rallye, moi j'aime bien le rallycross, donc du coup on a, tu vois, des liens un petit peu... Hein. Ouais. Alors là, je fais une deuxième version du taxi. Une version allongée de sa cabine et vous montrer ce qui est sympa, ce qu'on peut faire. Alors soit on peut mettre du tapis jaune comme ceci au milieu, soit on peut mettre aussi dans deux secondes, on peut mettre aussi dalle de quartz pour faire comme ceci. Vous voyez, on peut faire aussi comme ça le taxi. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Après, si vous êtes sur PC ou PS3, vous pouvez installer ici et là un item frame et mettre un item dessus pour faire des décorations. Vous pouvez mettre des échelles pour les portes, tout ça, les boutons. Ah, si c'est troué, faudrait que je rebouche. Voilà. Donc donc ça c'est montré. On montre un peu toutes les constructions. Alors ici, c'est un complexe d'habitations. Quatre immeubles qui seront tous reliés par des ponts comme ça. Bon, ils ne sont pas tous reliés à l'heure actuelle, parce que ça représente un chantier. Qui expliquait le petit screenshot que vous pouvez voir sur Google Plus, où c'était indiqué complexe habitation travaux, vigilance, vitesse strictement inférieure ou égale à 30 km/h. Oui. Tu préfères quoi, toi, la Peugeot 207 ou la... Non, une 207 ou une 208? Je sais plus. C'est une 207. Hein? Une 207 ou alors la Citroën DS3, dont avec un certain Peter Stolberg. DS3 perso. Donc en clair, tu préférais la bagnole de Stolberg plutôt que le seul français qui a gagné en championnat du monde. Ouais. Bon bah, en même temps c'est ton choix. Par contre, si je te disais la Audi 1 de Mathias Estrand, là tu m'aurais dit la Audi. Ouais. Voilà. Ah pardon, j'ai oublié quelque chose sur le taxi. C'est les rétros qu'on fait comme ceci. Comme ceci. Donc je viens juste de m'en rendre compte. Donc franchement désolé. Hein. Donc je suppose que certains vont râler en commentaire en disant le taxi n'est pas identique, ouais. Donc ça c'est deux versions qu'on peut voir. Alors, on est à 8 minutes et quelques. Alors Goldo, est-ce que vous... Alors à ton avis, est-ce que je montre comment j'ai fait le bus? Un bus, genre la bus navette de l'aéroport là. Oh mais oui, vas-y, ça fait toujours sympa du contenu. Voilà. Donc toi tu peux dire comment t'as aménagé le champ pendant ce temps-là si tu veux. Alors moi pour l'instant je fais la décoration intérieure parce que si tu veux c'est là où je fais, tu vois, des tableaux, tu vois, pour mettre un peu d'ambiance. Tu vois, pour pas qu'on dise que putain je m'emmerde, putain cette maison est à chier, parce que c'est sûr, mais voilà, ça revient au même. Alors, comment on fait le bus? Alors là, pour la longueur, vous choisissez en fonction de la longueur de votre bus. La largeur, généralement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 de large, généralement. Oh putain, faut que j'ai un petit coin. Les inconvénients du direct. Ouais, sympa de le dire surtout. 2, 3,
4, 5. Voilà, donc pendant ce temps-là, j'espère que Goldo va pas trop parler pendant que je vous montre comment on fait le bus. Voilà. Je vous montre à peu près. Hein. Donc c'est un nouveau bus sur la chaîne de Locor Block. Hein. Donc honnêtement, certains, en fait, les constructions, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Honnêtement, c'est Locor Block. Hein. Après, je sais pas si c'est lui qui a eu en premier l'idée. Ça, j'en sais rien. C'est juste que c'est lui qui a fait le tuto. Et du coup, j'ai tenté de les reproduire sur PE. Hein. À ma sauce. Hein. Ma sauce. Donc du coup, 2. Ça, par contre, le coup que s'éloignait que de 2, ça, c'est vraiment le truc de Locor Block. Hein. Le charbon pour les roues, ça, c'est vraiment lui qui l'a dit. Hein. Dans son tuto, il a vraiment dit bloc de charbon pour les roues. Hein. Ça, il a vraiment dit. Ça, ce que je fais pour l'emplacement des roues, c'est vraiment... Et les dalles de quartz, c'est vraiment lui. Après, moi, je suis obligé de faire un truc qui n'est pas dans son tuto. Non, mais, par exemple, pour placer la porte, je suis obligé de mettre un bloc entier, alors que lui, il peut le mettre sur une demi-dalle de quartz sur PC, par exemple, pour la porte. C'est pour ça que moi, mes tutos sont adaptés à toute édition. Du coup, on va choisir la couleur du bus. Ben, perso, je vais faire un bus jaune. J'avais pas fait de jaune, alors je vais faire un jaune. Alors, du coup... Ah, le lac sévère. Je crois que c'est planté, mais bon. Le screen recorder est toujours là. J'ai un lac sévère. De quelques secondes. Comme la map est lourde, donc vous pouvez voir quelques moments que ça lag. Attends, c'est à 1 de la porte. C'est bon. On va faire tout le tour, on va pas s'emmerder. Je vais quand même vérifier derrière. Excuse-moi, je vérifie, je donne souvent un coup d'œil. Après, pour l'intérieur, honnêtement, il n'y a pas de normes. À part les tailles, c'est bien. Les chambres sont plutôt bien foutues. Les tailles sont très variables, ouais, mais si sur peu, je vais vous faire un truc compact. Mais elles sont bien faites, les chambres que j'ai faites, elles sont ni trop petites ni trop grandes. Ouais, c'est juste que je sais pas comment les qualifier. Ah, tu trouves que j'aurais pu faire plus grande chaque chambre ou alors elles sont déséquilibrées au niveau de la taille? Et elles sont loin d'avoir toutes la même taille, c'est ça? Ouais. Je viens un peu peut-être. Attends. Ouais, mais bon, j'ai pas voulu faire. Ça, c'est sympa. Oh, il y en a. Quoi? Bah, il y en a où t'as rien foutu. Bah, ouais. Comme je te dis, c'est pas pour rien que je t'ai laissé aménagement. Ça me faisait chier. J'ai commencé, mais ça me faisait chier. Bah, voilà. Donc là, je vais donc installer de l'immobilier de certaines chambres, principalement vers des balcons. T'aurais aussi eu de meilleures idées que moi. Donc voilà. Pour ça. Dans ce temps-là, moi, je vous montre comment on fait le bus. Donc, vous le voyez en image, hein. J'explique pas forcément tout. Donc, voilà. Bon, contentez-vous surtout sur les images. Par contre, si vous êtes joueur sur PC, préférez des tutos mieux faits. Enfin, Locor Block, par exemple. Ça fait 3 fois que je dis le nom de sa chaîne parce que c'est vraiment, c'est ces tutos que j'ai repris, là, pour, c'est la forme, les idées pour faire le bus, c'est lui qui m'a donné. Hein. Ouais, parce que t'as dû te connecter au compte de la chaîne, parce que c'est avec la chaîne que j'ai regardé. C'est QFD. Effectivement, parce que c'était le jour où je mettais la vidéo de l'Hyper Fitchip 2 qu'on avait faite. Voilà. On a fait le Gold 2 Lennon Racine, qui est officiellement accessible. Voilà, c'est QFD. C'est simple, c'est tout. Oh, ça fait sympa. Voilà. Donc là, on a fait le vitrage. Enfin, toutes les vitres. Et, attention. Tense. Ouais. Est-ce que... Oui, le screen recorder s'est pas encore arrêté. Alors, le temps de faire le plancher, faire une petite pause et on se retrouve. Désolé. Donc, du coup, c'était un peu le temps de faire, comme vous voyez, le plancher. Donc là, j'ai en profité, donc j'ai mis une fenêtre ici. Donc du coup, maintenant, on va faire le toit. Voilà. Et le service après-vente des cubes. Alors, le tuto bus de le Locor Block, c'était le tuto du bus qu'il avait fait pour le circuit de Formule 1, honnêtement. Tuto du bus du circuit de Formule 1 qu'ils avaient présenté. Il n'était pas tout seul à le faire. C'est un truc immense, hein. C'est un truc de malade. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Hein. Attends, aussi, ouais. Ah, mais c'est pour ça que je connais sa chaîne en plus. Aussi, il y a la chaîne de Defroy, si je prononce bien. Ou Defroy. Oui, Defroy, je crois, un truc comme ça, si je prononce bien. Qui est aussi dans les constructions Minecraft. Et d'ailleurs, les deux se connaissent. Ils sont sur le même serveur. Hein. Le serveur, le FLAC. FLAC serveur. Ils sont sur le même serveur. Voilà, donc.
Je fais 3 comme ça. Comme ça, ok. Donc, du coup, ils se connaissent. Voilà. Donc, j'en parle parce que ben, c'est, moi, j'ai vu leur chaîne et ça m'a. Enfin, la plupart des trucs que j'ai fait sur la map, c'était sans voir leurs vidéos. Mais il y a des quelques trucs récents où je m'en suis inspiré. Notamment pour les immeubles d'habitation, je me suis inspiré des. Enfin, ouais, je regarde leurs vidéos, ça me donne une idée. Mais je vais pas faire non plus un copier-coller parce que je suis pas bon là-dedans, de toute façon. Je suis toujours des trucs différents, je suis vraiment pas bon là-dedans. Alors, moi je me demandais comment je pourrais faire des rétros. Parce que ce bus est améliorable, hein, honnêtement. Il va me faire les barrières. Attends, je vais prendre des vitres parce que j'aimerais voir quelque chose. Ah, honnêtement, ça fait stylé comme ça. On va juste allonger un peu le rythme. On va appeler EDF. EDF? Pourquoi? J'ai pour l'électricité des chambres que je suis en train d'aménager à cause de la taille. D'accord. Voilà, donc ça c'est fait. Fait intégral. Maintenant on va faire l'intérieur. On va faire l'intérieur du bus. Je mets ça pour un P. Donc, dans l'intérieur, moi je suis intérieur différent, donc on va mettre. Moi je fais tout en quartz perso. Dans le tuto, ce qu'il avait utilisé du bois, mais moi je fais tout en quartz. J'adore le quartz. Oh. Ah non, je fais une très petite cabine pour le conducteur. Voilà, bon, petit. Ensuite, en Suisse, on va mettre. Siège comme ceci, moi j'aime bien faire comme ceci, hein, parce que c'est le style de truc que je fais dans les avions, donc j'aime bien faire comme ça. Sauf qu'ici on va faire différent pour que j'ai ma rangée de 3 lignées. On va mettre comme ceci. Comme ça j'ai ma petite rangée de 3, je suis content. Voilà. Et c'est fait. Bon ben maintenant ça c'est fait. Le bus. Le gang bus magique est terminé. Voilà. Ah, Bob des notes. Ouais, ça c'est lui. Ça c'est Bob. D'ailleurs, le Fantabob World, le serveur est ouvert. Il a eu quelques problèmes lors de son ouverture, qui avait nécessité plus de 6 heures de travail pour le réparer. Mais c'est bon, il marche parfaitement. Travaux. Ouais, de travaux. Parce qu'il avait été, enfin, il était par terre down pendant 6 heures. Les développeurs, enfin Bob, enfin plutôt c'est Larbin. Ça, c'est pas moi, hein. c'est un commentaire que j'ai lu comme ça, qui disait Servin, enfin plutôt Fanta et Bob et leur équipe de développeurs, pour le dire honnêtement et bien, parce que c'est la vérité, hein. C'est eux, ils ont pas été tout seuls, ils ont été sans doute aidés par des builders ou au moins par des développeurs, et peut-être par le fournisseur des serveurs, je sais pas comment ça s'est passé, pour remettre le serveur en état. C'est assez sympa ce que tu fais, honnêtement. C'est simple, mais efficace. Ah, tu me vois pas, je suis juste devant. Bon, c'est pas grave, hein. Si tu me vois pas, c'est un bug de PE, tant pis. En même temps, je peux pas chier. Voilà, donc. Est-ce que tu veux qu'on termine la vidéo là-dessus? Ou est-ce que tu veux nous montrer un truc? Parce que moi, je te vois, donc je peux te suivre. Non, c'est comme tu veux, parce que moi, perso, j'ai pas d'avis personnel. Voilà, donc. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je vais juste montrer un peu plus précisément la plage. La plage publique. Voilà. Que certains ont aperçu du coup en screenshot pour ceux qui sont sur Google+. Voilà. Et comme vous voyez, toutes les rues maintenant sont éclairées. Trop stylé. Et on va retourner là où on avait fini. Lors de la fois précédente. La station service. Bon, apparemment l'employé est mort. Alors, c'est moi qui l'ai tué, franchement. Je m'en souviens. Bon, ben, on se quitte là-dessus, sur ces images de ces belles tours. Et on se retrouve pour une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié la petite discussion et les deux mini-tutos intégrés. Et on se retrouve pour une prochaine. Bisous, bisous.